Messieurs, dames, salutations. Voici le tour de la littérature de notre nation. Un résumé de ce qu'on verra cette session. Il y a 6 grandes étapes. On leur donne différents noms. J'ai choisi ceux-là pour capter votre attention. Numéro 1. Cartier, Champlain, ça commence avec les colons en Nouvelle-France. Des récits de voyage, des lettres et surtout, on va lire des histoires de loups-garous. Numéro 2. Le premier roman est écrit en 1837, un soir, mais la censure va préférer le terroir. C'est des romans vantant la ferme, la famille et la ferveur religieuse. Ça fait pas fureur. Numéro 3. Plusieurs se tournent ailleurs, vers la France, comme l'élégant Néligant, notre meilleur, et d'autres se moquent encore des vieux romans de fermiers. Ce sera l'anti-terroir, comme la Squine qu'on va lire, comme Séraphin. Ils vivent à campagne, mais sont pas ben fins. Numéro 4. Les livres deviennent urbains. L'ouvrier remplace l'agriculteur, mais avec la grande noirceur de Duplessis, est exploité lui aussi. Heureusement, la cabale commence. C'est le refus global. Numéro 5. Les Canadiens français deviennent Québécois et revendiquent le joual. On veut de la folie, de la liberté, et les femmes seront pas mises de côté. On va lire Anna de Louis Gautier. On va lire Je suis une maudite sauvagesse de Anne-Antan Capèche. Il y aura des flamèches. Numéro 6. Arrive après la postmodernité. Je suis essoufflé. On va laisser ça à votre prof de 103. Mais on va lire quand même une dernière histoire glauque, noire, un récit de Gaétan Souci. Bonne pandémie.